Donc, alors, pourquoi c'est important? Pourquoi je fais cette vidéo-là? Donc, déjà, c'est important, déjà, toi, pour ne pas te faire manipuler, d'accord? Et aussi, bah, pour pouvoir, bon, manipuler, j'aime pas trop ça, parce que manipuler, c'est quand même un aspect un peu, genre, négatif. Mais pour pouvoir influencer les gens dans les bonnes choses. Parce que des fois, les gens, en gros, si tu les influences pas, ils passent pas à l'action et ils n'ont pas de résultats. Les gens que j'ai coachés qui ont des gros résultats, j'ai dû les influencer à passer à l'action. Si je les avais écoutés, eux, ils ne seraient jamais passés à l'action. Ils auraient dit non, etc. Et aujourd'hui, ils me remercient. Tu vois, ils me disent heureusement que tu t'as assisté, etc. Enfin, assister, c'est pas vraiment assister, mais heureusement, j'ai su les influencer pour qu'ils passent à l'action parce que leur vie, elle a changé carrément. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc sois bien attentif et comme il dit Robert, je sais que tu es une personne honnête et que tu utiliseras ces stratégies à bon escient. Première technique, stratégie, comme on veut, c'est l'engagement libre. Alors l'engagement libre, ça consiste en quoi? C'est que lorsqu'une personne prend sa propre décision, même s'il s'avère qu'après sa décision n'était pas bonne, eh bien, la personne aura tendance à rester dans la même position et d'aller jusqu'au bout. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'engagement libre. Okay. Donc pour ça, ils ont fait une étude, ils ont testé en fait, il y avait un professeur qui avait dit, donc il y avait deux classes, d'accord? La première classe, le professeur a dit oui, donc je sais plus, imaginons que c'est des gars qui sont en master, tu vois, pour un exemple comme ça, pour mettre le contexte. Et à une classe, il leur a dit, voilà, il y a une nouvelle formation qui est sortie, qui va leur permettre d'accélérer le processus, qui va leur permettre d'accélérer le processus, d'accord? Donc c'était une bonne chose pour elles, pour eux. Et il leur a dit, voilà, prenez tous cette formation. OK? Donc la plupart des gens ont pris cette formation. Et donc pour la deuxième classe, le professeur a donné la même information. Il leur a dit, voilà, on a une formation d'un an qui va accélérer votre processus. Qui veut y assister, quoi? Qui veut s'inscrire? Okay? Donc là, les gens dans ce deuxième groupe-là ont pris la décision librement de s'inscrire à cette nouvelle formation de processus, pour accélérer le processus. Après, ce qu'il a fait, le professeur, bon, c'était un test, hein, ce qu'il a fait, c'est qu'après, il est revenu, il a dit, ah, en fait, compte. Cette formation ne va pas du tout accélérer le processus. Donc ça, il dit ça au premier groupe où il leur avait dit prenez cette formation. Il leur dit ouais, en fait, compte, ça va pas du tout accélérer le processus. On a fait une erreur. Donc vous, maintenant, c'est vous qui voyez si vous voulez quand même continuer à faire cette formation ou pas. Et ben là, tu as eu un taux de désistement qui a été énorme. D'accord? Parce que en fait, ben, c'était le professeur qui avait dit. Inscrivez-vous. Donc, ils avaient suivi le professeur. Et pour le deuxième groupe, le professeur a dit exactement la même chose. Il leur a dit, voilà, en fin de compte, bah, cette formation va pas du tout accélérer le processus. C'était une erreur, etc. Eh ben, il y a eu moins de personnes qui se sont désengagées par rapport à cette formation. Il y en a beaucoup plus qui sont restés inscrits. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, comme ils ont pris eux-mêmes librement le choix de faire cette formation-là, eh ben le désengagement est beaucoup moins important, ou plutôt le taux d'engagement est beaucoup plus important. Okay? Donc voilà, donc l'engagement libre, super important. Donc si jamais, en gros, tu veux proposer quelque chose à quelqu'un, ben, faut pas lui dire fais ça, ou tu devrais faire ça. Il faut que son engagement vienne de lui de manière libre, en fait. Et là, tu auras plus de chances, bah, du coup, que la personne bah, s'engage et ne change pas d'avis après. Deuxième technique, c'est la technique d'amorçage. Alors, le principe, c'est quoi de la technique d'amorçage? C'est, oui, je sais que les noms, ils sont trop bizarres. Même moi, quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est quoi ces noms-là? Technique d'amorçage, c'est genre, c'est de demander quelque chose de peu coûteux au début avant de parler de la vraie demande, avant de faire la vraie demande. Voilà comment ils ont illustré ça ou comment l'étude qu'ils ont faite par rapport à ça. C'est un gars, par exemple, qui était dans la rue. Ils ont fait deux expériences. La première, c'est le gars, en fait, il dit que il voit des gens qui passent dans la rue et il leur dit, est-ce que monsieur, vous pouvez me donner un peu d'argent, de la monnaie, pour que je puisse pour que je puisse payer le parc-maître? D'accord. Et là, il essuie énormément de refus. D'accord. Deuxième chose qu'il fait, qu'il met en place, c'est de dire, OK, on va demander d'abord l'heure, et après, on va leur demander la monnaie. Donc, c'est ce qu'il fait. Il demande l'heure. Oui, bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 3h40. OK, super, merci beaucoup. Est-ce que vous aurez un peu de monnaie pour pouvoir, pour que je puisse mettre dans le parc-mètre? Parce que là, je n'ai pas de monnaie sur moi. Est-ce que vous pourriez me dépanner?
Et là, ben, la personne, elle a eu beaucoup plus de conversions, entre guillemets. Elle a eu beaucoup plus de personnes qui ont donné de l'argent, de la monnaie pour pouvoir payer le parkmètre. Donc, toujours demander un engagement, un petit engagement en fait de la personne qui sera très peu coûteuse pour elle, et après lui proposer la vraie demande, d'accord. Et donc du coup ça va augmenter forcément la possibilité que la personne te dise oui à ta vraie demande. Donc les gars, maintenant quand quelqu'un vous demande quelque chose dans l'heure dans la rue, attention.